Une opération escargot sur un grand axe routier aux Pays-Bas l'été dernier. Les tracteurs provoquent des bouchons monstres. Sur l'autoroute, la colère des agriculteurs s'étale. C'est un plan dévoilé au mois de juin qui a mis le feu aux poudres. Le pays devra diminuer de 50 % ses rejets d'azote d'ici 2030. Pour y arriver, le gouvernement a annoncé qu'il faudrait réduire de près du tiers le nombre d'animaux d'élevage. Dans un pays aux profondes racines agricoles, la nouvelle crée une commotion. Tout au long de l'été, les manifestations se succèdent. Trinke Elshoff est productrice laitière et travaille aussi pour le plus grand syndicat agricole des Pays-Bas. Cette étable est conçue pour 300 vaches. Nous en avons 250 en ce moment. Mais si on n'en garde que 200, par exemple, on a encore les coûts pour tout le bâtiment, les emprunts à la banque. Il va falloir faire des calculs. On ne sait pas si ce sera possible. Alors que le reste du monde parle de diminuer ses émissions de carbone, ici, l'urgence, c'est aussi de réduire les émissions azotées. On vise entre autres le protoxyde d'azote, un gaz à effet de serre 300 fois plus puissant que le CO2. Il provient des excès d'engrais et de fumier. L'ammoniac est également ciblé. Il est aussi généré par les déjections animales. Aux Pays-Bas, le secteur agricole est responsable de plus de 60 % des émissions d'azote. L'objectif du gouvernement est de s'attaquer rapidement aux fermes les plus polluantes. À court terme, le gouvernement nous dit qu'il faudra éliminer de 500 à 600 fermes. L'État devra les acheter pour qu'elles ne produisent plus. Le gouvernement a débloqué près de 25 milliards d'euros pour la transition. Pour les Pays-Bas, c'est un changement de cap radical. Après avoir souffert de la faim pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Néerlandais se sont dit « plus jamais » et ils ont tenu parole. Ce pays minuscule de 17 millions d'habitants est aujourd'hui le deuxième exportateur agricole en valeur au monde après les États-Unis. Et le cheptel national reflète cette réalité. C'est la plus forte densité d'animaux d'élevage de l'Europe. 4 millions de bovins, 12 millions de porcs, 100 millions de poulets. La viande et le lait sont exportés, mais le fumier reste ici. C'est ça le problème. Notre secteur agricole est beaucoup trop important. Nos champs n'ont pas la capacité d'absorber tout ça. Ce professeur retraité de la plus grande université agricole du pays explique qu'on a trop tardé à agir. Les premières politiques pour résoudre le problème datent des années 80, mais elles ont été un échec. Aujourd'hui, les niveaux de pollution azotée dépassent de beaucoup les normes européennes. Pour Trinke, dont les deux fils voudraient reprendre la ferme, la réalité d'aujourd'hui est aux antipodes de ce qu'elle a connu il y a quelques décennies à peine. Nous sommes passés de 140 à 250 vaches en 30 ans. La ferme pouvait grossir, se développer. Nos enfants, eux, doivent penser à réduire. C'est très différent. Ici Catherine Mercier, Radio-Canada, Montréal.